Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Comme vous avez pu le voir ce matin, donc je me suis réveillée vers 7h. J'ai bu mon petit café. Ensuite, j'ai fait ma petite séance d'écriture, tout ça, avec la nouvelle lune, enfin, dans mon petit agenda Woomoon. Et ensuite, j'ai fait une petite séance de pilates. C'était trop bien, ça m'a trop fait du bien. Et ensuite bah voilà, j'ai pris ma petite douche, je me suis lavé les cheveux, maquillée vite fait. Et du coup c'est parti, vous allez passer toute la journée avec moi dans ce vlog. J'ai vraiment décidé de vous faire des petits vlogs comme ça où je vous emmène pendant une journée, où j'ai pas forcément un truc particulier à vous montrer. Enfin s'il y aura toujours des choses à vous montrer. Mais voilà, je veux dire des choses pas très réfléchies, je vous embarque juste, je prends ma caméra et c'est parti pour la journée. Du coup, là ce matin, ça va être assez chargé, on va partir tout de suite. En fait, j'aimerais bien changer acheter un meuble pour mon entrée et du coup refaire toute la déco de l'entrée qui est absolument pas jolie du tout. Et du coup, comme c'était mon anniversaire, en fait j'ai eu des sous pour m'acheter une console que j'avais vue sur un site. Mais j'ai vu que le site était pas très très fiable, tout ça. Du coup j'ai un peu peur, donc je préfère aller en magasin, trouver une console qui me plaît vraiment, puis je peux la voir tout de suite. Et du coup voilà, je pense vous faire un autre vlog où vraiment je montrerai le meuble, j'installerai mon entrée. Mais pour l'instant on va faire une petite matinée shopping. Et je vous montrerai aussi, j'ai plein de petites choses. J'ai un petit colis H&M à unboxer avec vous, je l'ai pas encore ouvert, j'ai trop hâte. J'ai aussi un petit truc que j'ai commandé sur Vinted. Enfin voilà, je vais vous montrer un peu tout. Depuis tout à l'heure, j'ai mon rouge à lèvres dans la main. Donc voilà, je vais enfiler une veste et on part tout de suite en shopping. Du coup là je viens d'arriver, je vais aller déjà chez Jiffy et la foire fouille, voir si je trouve un petit meuble. Bon bah écoutez, c'était vite fait, je suis arrivée chez Jiffy, j'ai craqué et pour le modèle et pour le prix. C'est celle qui était tout en haut avec du canage, je sais pas si vous avez bien vu. Mais en fait la couleur du bois... Par contre, bon, c'est pas du vrai bois, hein, vous verrez, mais enfin, la couleur, l'imitation, le canage, genre tout était trop beau. Et elle a coûté que 60 euros. Donc en sachant que j'avais eu 150 euros pour mon anniversaire, ça me laisse une grosse partie pour tout ce qui va être autour. J'ai envie d'acheter un miroir, enfin vraiment, donc maintenant, direction Maison du Monde. Maison du Monde, Centre Accor, je pense, pour la suite. En plus, j'ai un petit bon chez Maison du Monde. J'ai moins de 10 euros des 40 euros d'achat, donc je suis trop contente. Donc voilà, maintenant, on va là-bas. Bon, je suis trop contente. Là j'ai pris plein de petits trucs à Maison du Monde. Du coup niveau budget j'en suis à 120 euros sur les 150. Je suis à peu près 60 et 60. Je vous montre rapidement, mais du coup voilà, j'ai un petit panier avec des petits trucs et plein de petites choses pour l'entrée. Du coup j'ai trop hâte. Je me suis dit que j'allais pas aller à Centre Accor, je vois pas trop l'intérêt. Je vais plutôt aller chez Casa. Dernier truc, il me faut un miroir, donc je vais sûrement dépasser le budget. Mais c'est pas très grave, voilà, je mettrai de ma poche, enfin de toute façon, voilà. Donc c'est parti, on va chez Casa. Bon, je viens de rentrer, j'en peux plus, j'ai les bras qui tremblent, j'ai soulevé, enfin j'ai porté le meuble jusqu'à chez moi. Du coup, désolée si ça bouge un peu, mais j'ai tellement mal aux bras. Du coup, je vais vous poser là dans mon entrée pour vous montrer un petit peu. Donc le meuble, il est juste ici. Donc je vous montre le modèle choisi du coup. Donc celui-là, je l'ai trouvé chez Jiffy. Chez Maison du Monde, j'ai acheté trois petits paniers en fait que je voulais mettre sur un porte-manteau. Je vous montrerai que j'ai trouvé chez Action. Et du coup, accrocher les petits paniers en fait dessus. Et j'ai également pris ce panier-là qui coûte
18,99€, il est trop joli. Donc ça, ce serait pour mettre sous le meuble. J'ai pris un pas trop gros parce que je crois que le meuble est pas très large. Je voulais pas que ça dépasse. J'ai pris aussi une jolie petite bougie vert sauge. Je sais pas si vous verrez, mais elle a des petites stries. Elle a des petites stries en fait, elle est trop belle. Et un autre truc que je vous montrerai, c'est un vase pareil vert trop beau. Et par contre du coup j'ai pas trouvé de miroir, donc ce que j'ai fait c'est que j'en ai commandé un chez Maison du Monde et je pense qu'il va arriver semaine prochaine. Comme ça je pourrais tout installer et je vous montrerai vraiment le résultat final avec le miroir. Et en rentrant du coup je suis passée chez Zeeman et en fait j'ai trouvé, enfin quand je suis rentrée je suis tombée sur ce pull. C'est un pull vert kaki, il fait pas pareil à la caméra mais en vrai c'est un beau vert kaki. Je sais pas pourquoi, il fait vraiment pas joli. Et j'adore la forme, il est hyper doux. Un peu long, manche resserrée, enfin je pense qu'il va trop bien rendre. Et j'avais vu une photo d'une fille en fait du coup qui portait son petit pull, vous voyez, sur les épaules et tout. Et j'aimais trop le petit détail de kaki. Il coûtait 15€, donc écoutez, je suis trop contente. J'ai sauté dessus, il ne restait plus qu'un seul 36. Et j'ai également trouvé un drap en 100% coton à 8,99€ tout blanc parce que le mien il commençait à dégueulasse. Par contre je sais pas, enfin je pense que c'est juste un drap tout simple, vous savez, sans, vous pouvez pas mettre votre couette à l'intérieur. Enfin je pense, hein, je l'ouvrirai, je vais voir ça. Voilà pour mes petits achats. Et je veux ouvrir aussi, je vais vous montrer du coup mon colis H&M, j'ai trop hâte, j'attendais ça avec impatience. Hop, je vais vous mettre ici, je pense que c'est pas trop mal. Du coup, le petit colis. Mes collègues en fait m'ont offert un petit bon H&M pour mon anniversaire, ça m'a trop fait plaisir. Du coup j'ai pris une moitié pour me prendre des vêtements et je pense utiliser l'autre moitié pour me prendre de la décoration. J'ai pas encore acheté. Donc là c'est juste la partie vêtements. Je suis trop contente. Donc le premier article, c'est un petit haut en M que j'ai pris. C'est un petit haut en coton, je crois que c'est du coton il me semble. Et il est vraiment tout simple. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était une marinière, mais vert sauge. Voilà, vous le savez, je suis à fond dans le vert en ce moment. Et du coup, je trouvais ça hyper mignon. C'est vraiment genre basique comme pas possible. Mais j'imagine ça avec une jolie petite tenue. Je pense que ça peut être trop mignon. Je vais l'essayer tout de suite. Voilà comment il rend, je trouve ça trop mignon. J'ai bien fait de le prendre en M parce que ça rend comme je voulais, c'est pas trop près du corps. Et j'adore rentrer à l'intérieur. Ouais, il est super simple et efficace, trop mignon. Ça change un peu de ce que j'ai, mais du coup ça reste assez simple et voilà, c'est un basique que je pourrais reporter. Trop contente. Et le deuxième article, à votre avis j'ai pris quelle couleur? C'est un sweat vert sauge aussi. Oh, il est trop beau. Je vous ai pas dit les prix. Attendez. Le petit top, donc c'est bien en coton, il coûte 14,99€. Et le sweat, il coûte 19,99€. Je trouve que c'est pas cher. Et en plus, j'avais une remise de 25% pour mon anniversaire. Du coup, ça m'a enlevé 5€ dessus. Incroyable aussi, je vais enfiler pour voir. Oh, j'adore, il est trop beau. Il est hyper grand. Alors, je sais plus, j'ai pris quoi en taille. J'ai pris du S, il est oversize, il est vraiment oversize. Hein. Attendez, je vous montre de loin. Vous voyez, il est long, il arrive en dessous des fesses. Mais j'adore, je trouve ça trop cool. Je trouve que la couleur me va bien. Voilà, faut dire les choses quand c'est vrai. Je trouve que ça me va bien, ça change, mais vraiment jamais de couleur. C'est toujours du noir, du beige, du blanc. Donc là ça fait une petite touche de couleur. Et je le trouve trop beau. Vous avez un petit détail là comme ça. Il est tout molletonné dedans. Mais on est trop bien dedans. Alors, si vous cherchez un sweat pas trop cher, allez voir sur H&M. Et je crois qu'il y a d'autres couleurs, hein. Il y en avait plein d'autres. Bon bah écoutez, je suis trop contente pour mes deux petits achats. J'attends un autre colis. Et hier en fait le facteur est passé, j'étais pas là. Donc il est censé repasser aujourd'hui. Du coup j'attends, ça se trouve il est passé ce matin mais il n'y avait rien dans la boîte aux lettres. Donc non, je pense qu'il n'est pas encore passé, donc je vais attendre sagement. Et j'espère qu'il passera pour vous montrer du coup.
Et j'ai aussi un autre truc à vous montrer. Du coup, comme je vous ai dit ce matin, j'ai acheté un truc sur Vinted. C'est que la deuxième fois que je commande sur Vinted, je vends pas mal, mais c'est vrai que j'achète pas grand chose. Et en fait, je voulais me racheter une pochette de maquillage. Et je voulais soit une Chanel ou une Dior. Et franchement, si vous en voulez une pas chère, allez voir sur Vinted, il y a plein de gens qui revendent, vous savez, des fois en cadeau, par exemple, vous allez avoir des pochettes, des trucs. Du coup, les gens les revendent pas très cher. Donc, j'ai reçu la mienne. Donc, déjà, je suis trop contente. Elle m'a envoyé vraiment dans la boîte d'origine. Bon, par contre, elle est toute cabossée. Hein. Elle a pas trop tenu au voyage. Bon, ça, on s'en fout. C'est ce qui compte à l'intérieur. Mais voilà, au moins, je suis bien sûre que c'est vraiment, voilà, avec Dior, tout ça. Il y a tout derrière la boîte. C'est vraiment une vraie. Et regardez la beauté, j'en suis vraiment trop fière, je ne pouvais pas rêver mieux. Donc elle est comme ça, en lin, avec du coup le petit logo Christian Dior. Il y a même encore la petite, le petit truc en plastique là pour protéger. Et la petite fermeture, et vous avez encore la petite inscription Dior. Je la trouve trop belle. Et attention, je l'ai payée 15 euros. Enfin, en plus, j'ai même pas payé du tout parce que du coup, je l'ai acheté avec les sous que j'avais sur Vinted. Mais 15 euros, je suis trop contente. Et en plus, vous voyez, elle est grosse parce que c'est ce que j'ai demandé à la dame. Je lui dis, est-ce que vous avez la taille? Parce que je me dis, à tout moment, je vais recevoir une pochette grosse comme ça, quoi. Et là, pas du tout. Je peux vraiment mettre mon maquillage et tout. Je suis trop heureuse. Et en plus, quand c'était mon anniversaire, enfin, je vous montrerai ça dans un autre vlog. J'ai eu des petits cadeaux et j'ai eu un petit cadeau de chez Dior du coup. Et en fait, c'est un petit miroir de poche. Et il est exactement du coup de la même matière en fait. Donc je suis trop contente. Mes cheveux, c'est un peu du grand n'importe quoi, mais j'essaye de plus trop les lisser. Du coup, je les lisse juste au sèche-cheveux, un peu en brushing. Et j'essaye de les remettre un peu comme avant. Vraiment, avant, j'avais pas trop l'arrêt. C'était un peu comme ça venait. Enfin bref, je m'étale. Du coup, trop contente de ma petite pochette. Aria! Je crois que je vais rester dans mon sweat. Je suis trop bien dedans, même si j'avoue qu'il fait un petit peu chaud là. Voilà, bon bah écoutez, je vais faire à manger. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Bon, je vous reprends, il est à peu près 14h. J'ai oublié de vous montrer ce que j'ai fait à manger, mais du coup j'ai fait un steak haché et j'ai fait une purée de petits pois. Donc j'ai juste pris des petits pois en bocaux que j'ai fait chauffer au micro-ondes et après je suis venue les écraser à la fourchette et j'ai mis un petit peu de crème fraîche dedans. Donc voilà, c'était pour le repas de midi. Là je vais me faire un petit matcha je pense. Et puis voilà. Je vais juste vous montrer pour l'entrée du coup. Du coup voilà, je vous montre. En gros, donc pour l'instant c'est comme ça. Donc ça va être sur ce mur. Et pour l'instant il y avait un petit banc où on mettait les petites chaussures dessous. Bon là j'ai posé tous mes achats par dessus. Ça faut que je l'enlève ce miroir. Donc voilà, c'est ici que ça va se transformer. Donc j'ai trop hâte. Et du coup en fait la bonne nouvelle c'est que en fait du coup il devait avoir le miroir en stock chez Maison du Monde. Puisque du coup il m'a envoyé un message comme quoi je pouvais venir le récupérer. Le problème c'est que là j'ai plus ma voiture donc on va voir si mon chéri peut y aller ce soir. Sinon j'irai demain matin. Enfin bref, de toute façon dans tous les cas je pense que je l'aurai. Je l'aurai quand je vais commencer à monter tout ça. Donc voilà. Avant de vous quitter je vais peut-être juste commencer à déblayer un petit peu l'entrée pour commencer à faire de la place. Ryan Little. Voilà, écoutez, je vais arrêter ce vlog ici parce que je commence le travail dans 1h45. Je vais commencer à filmer le deuxième vlog du coup où je vais monter le meuble, tout ça, commencer à installer toute cette petite déco, j'ai trop trop hâte. Donc si vous voulez voir la suite de ce vlog, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes mes vidéos qui sortent, de mettre la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et moi je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt.